Maman, tu peux me lire une histoire? Es-tu sûre, Dewey? Tu m'as l'air très endormie. Non, je n'ai pas sommeil. Je repose mes yeux. Bon, très bien alors. Que penses-tu de celui-là, Dewey? Le petit chaperon rouge. Oui, s'il te plaît. Le petit chaperon rouge téléphone à sa grand-mère. Téléphone à sa grand-mère. Téléphone à sa grand-mère. Sa grand-mère dit: je me sens pas bien aujourd'hui. Pouvez-vous venir? Le petit chaperon rouge est parti de suite. Est parti de suite. Est parti de suite. Elle descendit le chemin de la forêt. Mais elle croisa le loup. Petite fille, comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Je suis désolée, loup, je peux pas m'arrêter. Je vais voir ma grand-mère. Le petit chaperon rouge s'enfuit très vite. S'enfuit très vite, s'enfuit très vite. Mais le loup connaît un chemin plus court pour arriver chez la grand-mère. Le loup a mis la grand-mère sous le lit. Sous le lit, sous le lit. Ne dis pas un mot. Le méchant loup dit et enfile la chemise de nuit de mamie. Petit chaperon rouge a frappé à la porte. À la porte, à la porte. Je peux entrer, mamie? Entre, ma chérie, et n'oublie pas ce panier. Mon Dieu, quelles grandes oreilles tu as. Grandes oreilles tu as, grandes oreilles tu as. Grand-mère, quelles grandes oreilles tu as. Pour mieux t'entendre, ma petite. Il dit: mon Dieu, quels grands yeux tu as. Grands yeux tu as, grands yeux tu as. Grand-mère, quels grands yeux tu as. Ils sont grands pour mieux te voir, il dit. Oh mon Dieu, quelles grandes dents tu as. Quelles grandes dents tu as. Quelles grandes dents tu as. Oh grand-mère, quelles grandes dents tu as. Les plus grandes pour te manger, il dit. Il bondit, elle saute en arrière. Elle saute en arrière. Elle saute en arrière. Hop, il bondit, elle saute en arrière. En arrière, derrière la table. La grand-mère est sortie, elle était furieuse. Elle était furieuse. Elle était furieuse. Elle le poursuivit avec son balai. Et l'a poursuivi dans toute la pièce. Maintenant va-t'en, loup, chou, chou, chou. Chou, chou, chou. Chou, chou, chou. Maintenant va-t'en, loup, chou, chou, chou. Il ne revient jamais, jamais. Je me sens beaucoup mieux. Grand-mère dit, grand-mère dit, grand-mère dit. Je me sens beaucoup mieux. Moi aussi. Et maintenant faisons un pique-nique. Le loup n'est jamais revenu, revenu, revenu. C'est ainsi que l'histoire se termine. Maintenant va dormir, mon Dewey. Mouah! Bonne nuit.